la logistique d'un événement majeur comme le Tour de France est une mécanique de précision. Les enjeux sont très importants. Des millions de spectateurs ont les yeux rivés sur cet événement. Notre travail est donc d'anticiper les potentiels problèmes et d'éviter qu'un grain de sable ne vienne bloquer le rouage de l'organisation. Cela passe bien évidemment par la préparation en amont des véhicules, mais aussi par un suivi permanent des véhicules tout au long de l'épreuve. Nous avons une tour de contrôle basée à Saint-Robert-d'Albon qui suit l'ensemble de l'événement du Tour de France et pilote en temps réel la disponibilité des véhicules 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela nous permet de détecter les défaillances en amont et d'intervenir au plus vite pour remettre en mobilité les véhicules. Et cette année, nous renforçons encore notre capacité d'action et de réactivité en intégrant au sein du Tour de France une unité mobile composée de 2 mécaniciens. C'est un atout supplémentaire pour assurer la continuité du Tour. Pour nous, c'est une grande satisfaction de prendre part au succès du Tour de France. Et nous sommes très fiers de contribuer à ce que le Tour de France ne s'arrête jamais.